Thank you.
Le gouvernement français se pointe à la société européenne qui dit bon, on va peut-être en créer une société qui va remettre à l'effet notre partie d'accueil. Et le gouvernement officiellement au niveau de la France se fait une très haute famille sur la promesse de l'effet avec la partie d'accueil. Et en même temps, il faut que l'on ait des documents pour le site de nouveau modèle. Le premier moment de ce que
Thank you.
marcher les unes après les autres. Et là, la femme de l'homme du milieu, elle a continué toujours de se sentir. Elle, son projet, c'est de guider, à ce moment-là, de se couvrir. Donc, ça lui est bien de tout ce qui est passé, c'est de dire que c'est de l'homme, 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 c'est de l'homme. Thank you.
de Voilà, nous avons parlé du canon 75 français modèle 97, du caisson à munitions qui l'accompagne toujours et obligatoirement, et tout ça est tracté par l'avant-train du canon 75 qui est ici. Alors de quoi se compose une batterie de 75? Une batterie de 75 se compose de 4 canons de 75, accompagnés de 4 caissons de 75, de 8 avant-trains, c'est ça. Alors, l'avant-train tire un canon et un autre avant-train tire un caisson à munitions. L'avant-train était tiré par 6 chevaux. Je suis sur un porteur, un cheval, donc je suis Arthur Monté et je suis sur un porteur. À ma droite, juste à côté du timon, on a un cheval dit de sous-verge. Je prends les brides de mon porteur, je les mets dans ma main. Je prends les brides de mon sous-verge, je les mets dans ma main, je serre, je tourne comme ça. Voilà, je suis prêt. Devant moi, j'ai encore un Arthur monté et un porteur. Et encore devant, on a un Arthur monté et un porteur. Donc, on a 6 chevaux, 2, 4, 6 et 3 Arthur montés à gauche. Le cheval de tête, c'est un cheval dynamique, il n'a peur de rien. Au milieu, il suit, et ici, il faut des chevaux assez puissants pour retenir l'avant-train et le canon. Donc, je répète, 4 canons, 4 caissons, 8 avant-trains. Alors, dans quelques temps, on a un projet de restaurer des chars Renault que nous possédons. On a les trois types de chars, tourelle octogonale, tourelle giro et tourelle TSF. On a la motorisation et donc le challenge c'est de restaurer les moteurs et ensuite de les installer dans le char et de les faire rouler. Ça c'est un projet et on ne va pas tarder à le faire.